m'a permis que chaque policier, chaque monde candidat pour nous comprendre que il y a un complot que l'État même a manigancé contre nous. Pour qui ça me dit ça? Mon ami, le droit d'accès à la justice, c'est une liberté, c'est un droit fondamental. C'est une liberté fondamentale. Le droit à un procès équitable, c'est une liberté fondamentale. C'est prévu par les conventions et les textes de loi internationaux. Maintenant, comme avocat, qui a milité dans le respect de l'homme pour l'homme, lorsqu'arrive une situation où ce sont les mêmes acteurs qui bafouent ces droits, vous obligez de demander tout. Est-ce que vous retournez à l'état de barbare? Est-ce que vous retournez à l'état sauvage? Parce que l'autorité qui a bon justice, maintenant c'est eux qui se mettent ensemble pour souiller, pour enculer vos droits, pour violer vos droits. Eh bien, qui prochaine étape? Dans le cadre du dossier, puisque nous connaissons un là, nous sommes là, nous attendons patiemment le doyen. Si juge Gary aurait dit que vous êtes désigné pour faire office de représentant du ministère de Parvenir, nous allons continuer à demander l'application de l'article 28 pour choisir un autre juge qui peut le faire office de représentant du ministère public. Pour qui ça arrive là, c'est parce que les commissaires ont boudé une énième fois, ça fait quatrième fois, ont boudé l'audience en habeas corpus d'Abel Sonbounegui. Elle dit, grand pile monde qui a souffert là, grand pile énervement, grand pile avocat qui a besoin de service commissaire là qui n'est pas capable. Oui, c'est j'ai. Madame, dis-nous comment ça va avancer. Bon, et comme vous le voyez, comme vous le comprenez, le dossier patine. L'homme dit le dossier patine. Où est que jusqu'au moment où je vous parle, dossier Abel Sonbounegui n'a pas qu'à passer. Parce que ça qui passe, un, les acteurs principaux du pouvoir judiciaire, les acteurs principaux du parquet, une fois de plus, ils n'ont pas daigné se présenter à leur bureau. Lundi, là, mardi, il y a Abéas. Mercredi, là, jeudi, il y a Abéas. Vendredi, autant de Abéas, personne ne va venir. Bon, comment ça va le faire? On va lancer Abéas toute semaine net. Et là, je vais mettre que les commissaires face à leurs responsabilités. Alors, ça qui passe, doyen, vendredi dernier, Jean Dewel là, tu es supposé tendre des dossiers parce que tu as fait choix de juge Gary Aurélien comme représentant du ministère public. Pour qui ça va faire choix de lui, c'est la loi qui le prévoit. Puisque les commissaires du gouvernement n'étaient pas présents ce jour-là. Malgré avoir signé, malgré au sommet d'audience, ils ont boudé une fois de plus l'audience en habeas corpus. Eh bien, puisque c'est une question de liberté individuelle, doyen dit bon, moi-même, j'ai décidé de choisir un monde qui peut le représenter le ministère public. Gary Aurélien. Gary Aurélien choisi depuis 13 mai. Nous sommes aujourd'hui le 29 mai 28, si je ne m'abuse. Personne n'est pas venu. Moi-même, j'étais confiant que tout l'alito ça qui a fait dossier ça, c'est pour décourager les avocats. Le pouvoir est en train d'appliquer la politique de l'usure. Elle dit Fennec fatigué. Je comprends votre jeu. Même ses droits, ça avocat mieux, je défends les droits humains, je défends les libertés individuelles. Je ne suis pas venu décourager nos batailles. Je m'habitue à ça déjà. Donc nous-mêmes comme avocats, nous restons là. C'est parce que nous avons tant de doyens. Pour au moins nous dire doyens, prends siège. Pour qu'à permettre que pour choisir on l'autre juge dans la place Gary Aurélien. Parce que si je m'attends Gary Aurélien pour être pour venir. Et Abel Sonbounegui avec tout l'autre prisonnier politique qui a groupé dans la prison. À travers ça qui a passé là, je veux que le peuple a compris nos bagailles. Pas aucun effort qui a fait pour que Haïtiens, le peuple haïtien, je ne dis pas aucun effort. Pouvoir former une commission créée le Sénat, Commission nationale d'assistance légale, pour combattre la détention de la psychologie. Abel son arrêté, Abel son gagne 2 mois. Le même comme avocat fonctionne à Bias Corpus, pouvoir estimer ses fréquents, commissaire gouvernement va venir. Et qui répercussion ça va gagner? Répercussion par sous prison. Yo. Mal visité prison, hein? Pendant ma pandémie, j'ai 5 personnes qui ont sorti, 5 cadavres.
Maintenant, on va comprendre que Djour est à 1,50 m dans l'autre. Et moun yon de prison, c'est pile sous pile, tant que bête, tant que sardine. Et en de prison, il y a plus de 4 à 5,000 moun. On va comprendre que le virus, ça, qui circule en de prison, tout et tout le monde. Et des gens qui arrêtent pas dans rien. Qui ça pouvoir dire dans ça? Est-ce que le commissaire a toujours été chitabunda ou là comme on vient? Est-ce que la politique a pas appliqué pour permettre que pour contraindre tout commissaire vienne travailler, pour contraindre tout juge vienne travailler, pour permettre que Timaléré vienne juger? Assise pour que j'aime plaider là. Assise pour que j'aime organiser. Lorsqu'il y a 1000 moun, 2000 moun, 3000 moun, on t'a supposé la guerre assise. Tout autant par la guerre, c'est la population carcérale qui augmente. Lorsqu'il y a des jeunes avocats comme Arnel Rémy qui voulaient aider, qui voulaient contribuer dans le combat contre la détention de Bandi Boulanger, et qu'il y a un commissaire gouvernement qui a payé, qui a perdu, qui a tout le chita bunda la kao, qui message pour les gens dans la prison. On a même compris que faut pas ici enlever, là faut enlever pour de bon, pour demander l'autre justice. Parce que acteur qui n'a tête système non, acteur sont pas favorable à avancement système non du tout. Lorsqu'on mini justice qui est responsable commissaire gouvernement ou même encore qui là pour faire appliquer la politique pénale du gouvernement. Et puis c'est ou même encore qui a bail l'ordre pour pas venir tendre habeas corpus à Belson Bounèg. Et faut que policiers comprennent ça. Je veux que vous fassiez preuve de solidarité face à Belson Bounèg. Parce que Tikatoua et 2500 qui étaient sous lui. Maintenant, qu'on a un gars de sous lui. Condition de travail là. L'on commissariat Pinez Ravet en Vaillou, c'est ça la revendication de lui. Changer les conditions de travail. Et comme avocat, la lutte pour le respect et la préservation des libertés individuelles, il n'est pas supposé camper là. Et moi, Mabdil, il faut que ça change. Peuple haïtien, levez-vous, demandez à ce qu'on vous donne une autre justice parce que nous ne pouvons pas accepter que le droit nous a violé comme ça. Les gens qui n'ont prison pas fait rien. Prison femme, il y a presque 300 personnes jusqu'à 400 personnes. 50 personnes qui jugent seulement. Est-ce que nous pouvons continuer comme ça? Il y a arrêté presque 25 personnes mis au ton pour acte de banditisme. Infraction pas même exister. Il y a une prison toujours. Est-ce que nous pouvons continuer à être bras croisés pour accepter que Jovenel Moïse, à travers ses sbires, à travers ses acteurs, viole les droits comme ça? Il faut se lever, il faut changer les conditions, il faut que le pays sorte de ce marasme. Il faut que notre appareil judiciaire change d'orientation parce que si c'est dans le sens viole les droits comme ça, viole les libertés comme ça, pas permettre que les gens aient un procès équitable, pas permettre que les gens aient droit d'accès à la justice, je vous garantis, dans les années qui viendront, nous constaterons l'effondrement du pays. Depuis justice, ça pas bon, pays pas qu'à marcher. Et nous-mêmes, quand on a dit, faut yo changer acteur, faut que la population levée et faut permettre que le tribunal fonctionne correctement pour Timaléré, Timaléré, qui a arrêté 10 ans, 15 ans, qui pas jamais venu dans l'assise, vient juger. Merci beaucoup. Est-ce que nous parlons de juge là? Si oui, qui s'agit de nous. Après ça, est-ce que nous-mêmes, avocats, qui démarchent pour entreprendre la tour pour nous avoir une bien sûr. Le juge Gary Aurélien a reçu plusieurs appels venant des avocats du cabinet Advocatus, venant des avocats du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. Je l'ai dit, mon dehors, je suis là pour moi, mon province pour le moment. Alors, vous comprenez? Ma banque garantit que si ça avait été aux États-Unis, si ça avait été en France, le procureur ou bien un juge responsable d'un tribunal de Paris t'a pris une décision pour dire écoutez, M. Arnel Rémy, vous êtes désigné, je garantis, premier monde qui tape là, c'est Julien qui tape là. Mais en Haïti, on ne respecte pas les valeurs, mais en Haïti, on ne respecte pas l'état de droit, mais en Haïti, on ne respecte pas les libertés individuelles, tout le monde fait ça au vle. Qui prochaine démarche nous? Prochaine démarche nous, c'est moi-même comme avocat, restez là. J'en dis là, m'a prêté là pour me tendre droit pour le prendre siège et choisi un autre juge qui va remplacer Gary Aurélien. Parce que je ne peux pas faire vim à attendre Gary Aurélien pendant que Abelson Gouneg, pendant que mon équipe l'autre monde cap croupien dans la prison. Et faut comprendre qui répercussion ça va gagner. Comportement commissaire pour gagner répercussion sous prison. Gagne Covid là. Mon a mouri dans Covid-19. Depuis pas qu'a gagner assise. Depuis moun pa ka juger, elle dit c'est plus temps moun nan gandan. Admettons que virus sont à l'en dans prison.
y a 5000 personnes dans la prison et puis il dit pour me respecter 1,50 m de distance pendant que dans la prison moun yo tant pour sardine tant pour patate. Ouais, qui catastrophe qui ka gagné famille qui a perdu petit yo. Eh ben que commissaire pour responsabilité yo, que ministre pour responsabilité, que PM AI Claude Joseph pour responsabilité, mettez appareil juste à fonctionnel, rendre fonctionnel, organiser assises, organiser ABS. Si le commissaire gouvernement parle venir, révoquer, mettez l'autre monde, parce que faut que justice en fonctionne, parce que un pays ne peut fonctionner sans un appareil judiciaire adéquat. Merci beaucoup. Matin, débloqué Haïti, rencontré avec la presse, nous parler sur situation pays, mais spécialement pour nous, encore une fois, montrer volonté peuple haïtien gagné, volonté tout petit pays a gagné pour diaspora haïtienne gagne place li nan politique pays. Jean débloqué Haïti toujours fait, nous toujours dit li. Nous kwè moment li rive et jodi a même bataille la ouvert que jodi a nous entrer dans une lutte pour nous demander intégration diaspora dans tout ça qu'a fait en dans pays a, mais spécialement non politique pays. Nous là matin pour nous annoncer une marche pacifique qui débloquer Haïti dans tête collée avec diaspora a organisé lundi qui a 7 juin. Nous inviter population en général, tout le monde pour venir faire solidarité avec nous, venir montrer volonté nous gagner pour diaspora capable de compter parmi tout petit pays Jean Dessalines de Vlessa. Nous connaissons depuis 35 ans, nous exclus près de 4 millions de frères et sœurs qui vivent dans le pays l'étranger. Nous recevons l'argent, nous passons dans la bêtise, nous citons non, mais nous ne jamais faire rien avec nous mettez dehors. C'est peut-être ça matin nous-mêmes nous avons fait un appel en général à tout peuple là lundi 7 juin. Nous avons pris la rue, nous avons rassemblé Carrefour Misso en Delma 60. Nous avons lancé un message devant le ministère des Affaires étrangères parce que il y a des gens qui en Dominicanie, il y a des gens qui sont aux États-Unis qui ont expliqué nous. Il y a des difficultés pour faire 4. Par exemple, il y a un monde dominicain qui relève nous, qui dit nous que il paye 1500 pesos aller-retour pour aller faire 4 électorales, elle ne veut pas faire. Il y a un monde dans New York City qui voyait vidéo côté monde qui responsable pour faire travail ça yo. Yo pas faire, yo a bail blague cependant pour les arriver, yo fermer yo dit yo pas travail. Nous comprendre ça yo a subi. Nous mettons dehors dans tout espace décisionnel pays. Eh bien, nous, les peuples, pour venir camper avec nous lundi, 7 juin, nous avons rassemblé Delma 60, Carrefour Misso, nous avons sorti dehors Delma, nous avons fait autour Delma, nous avons rentré Delma 32, nous avons fait par endroit, nous avons sorti, bon, mais Marianne, pour nous sortir sur le boudoir, pour nous descendre, faire Martin Luther King, pour nous passer devant Guaverna. Pour qui ça n'a pas descendre dans l'avenue la Matinière, c'est parce que nous avons besoin de messages, nous avons besoin de lancer devant le ministère de la communication et de la culture, de façon pour nous atterrir sur place, papa Dessalines, pour nous porter Dessalines plainte pour les dirigeants pays nous depuis 35 dernières années qui passent là et pour tout le monde qui a fait politique, qui a une velléité pour mettre la diaspora dehors comme quoi eux-mêmes, nos parisiens. C'est dans l'optique ça matin, nous-mêmes, nous rencontrer avec la presse pour nous inviter la presse en général dans la marche pacifique. Ça. Et tout le monde qui a venu dans la marche là,
soit ou entrer en contact avec nous, qui nous bat ou maillot, même gens matin là, nous avons des gens qui sont panel là avec nous, qui ont maillot, parce qu'il faut qu'on identifie une façon pour nous éviter des ordres. Et c'est pour aller une rare fois à côté, à gagner manifestation dans Port-au-Prince et nous rassurer le peuple là, pas bien des ordres, parce que la police déjà notifié et nous croyons nous-mêmes, ça la revendiqué, c'est droit nous, c'est droit frère nous, accès nous, nous croyons la fête dans l'ordre et la discipline. Merci. Débloquer Haïti, c'est un mouvement sociopolitique. Nous créer à partir de un constat que nous fait pays à pas marcher bien et gagner revendication peuple là qui va jamais prendre en charge, nous pas jamais gagner promotion qui fait pour la jeunesse. Et deuxième constat nous devons c'est que diaspora contribuer à hauteur de 4 milliards de dollars par an. Quel que soit Jean pays à y là, c'est diaspora qui supporte l'économie pays. Mais tout ça qu'a fait, c'est toujours mettre de côté. Et nous-mêmes, nous t'ai toujours dit, faut gagner, yon chita, parler, faut gagner en entente pour nous entrer diaspora, c'est qu'on cadeau n'a fait dans la politique pays. Nous-mêmes, étant donné que nous avons prêché ça, et je dis à nous, quoi, nous-mêmes, nous pas de question, et en dehors de bloquer Haïti à faire Premier ministre, parce que ça baille trois problèmes les pour gagner. Il y a un premier ministre qui passe dans le Parlement, c'est toujours dit par l'Empire. Nous parlons bientôt pour qu'il s'agit tous les députés. Et nous te questionnons tout. Est-ce que nous sommes obligés de gagner 3 sénateurs par département? Nous posons toutes les questions. Nous vivons et tout le monde qui a fait politique dans le pays. Je dis à qui ne doit pas d'accord, toujours dit, la Constitution 87 a posé problème. Il pose problème parce qu'elle est rejetée dans une catégorie de monde. Et nous, on dit. Entre nous, tout le monde qui a fait politique dit, affaire Premier ministre là, lui causer problème. Nous-mêmes, nous avons dit que, quel est le référent d'homme, référent femme, ou encore amendement, il faut gagner, il n'y a pas ces mecs qui font, et pour une façon pour tout Haïtien capable de gagner droit, même droit. D'accord, c'est pour ça nous-mêmes, en DDP Haïti, bataille nous, si on bataille nous, fait sans camper. Tout autant diaspora pas intégré, tout autant la jeunesse pas de promotion qu'a fait pour la jeunesse, n'a toujours sous béton, n'a toujours dans la radio, la télévision, sur les réseaux sociaux pour continuer la bataille. Merci.